Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, j'ai juste quelques minutes. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. En fait, j'avais envie de passer un message concernant la beauté. Moi, j'avais juste envie de dire, pour moi, hein, personnellement, toute femme a la possibilité et toute femme sait se maquiller. C'est quoi en fait? C'est pas compliqué les femmes. C'est question d'avoir la volonté. Mais toute femme n'est pas maquilleuse professionnelle. Donc c'est deux choses différentes. Parce que je vois des gens qui se disent, ah mais moi je sais pas maquiller. J'entends beaucoup des gens dire ça. Beaucoup des femmes dire, oui je sais pas maquiller. Donc j'attends, je me maquillerai quand ça sera un grand événement ou quand je veux me marier. En fait, il y a des raisons diverses. Non, c'est pas bon. On a la chance. On est dans une génération où les réseaux sociaux sont, mais je peux pas, mais il y en a partout. On a cette chance-là. On a la chance de voir sur YouTube, on nous montre des méthodes. Franchement, essayez toutes les méthodes. Soyez dans la, en fait, dans tout ce qui est maquillage, coiffure, soyez patiente. Prenez le temps. Essayez plusieurs méthodes. Et moi, personnellement, ce que moi je fais, je préfère suivre, en fait, pas je préfère, je suis plutôt plus en matière de maquillage, les personnes qui ont la même, ou dont on a la même carnation. En fait, si ta puce, moi je sais que je suis foncée, je veux suivre la personne qui a la même carnation que moi, qui a la peau un peu plus foncée. Si j'étais plus claire, pour moi personnellement, j'aurais suivi la personne qui est plus claire. En fait, qui a la même carnation, c'est clair. Sans vous mentir, je change tout le temps. Je change tout le temps. C'est parce que j'aime pas trop faire des vidéos de maquillage parce qu'il y en a trop. Donc je change tout le temps. Je suis souvent les gens et les méthodes, j'en change. Mais je pense que il faut pas. On a tendance, nous les femmes, à vouloir faire tout à la fois. C'est l'apprentissage. Si tu commences par le teint, maîtrise ton teint. Une fois que tu maîtrises ton teint, tu sais que tu maîtrises maintenant le teint. Tu passes aux yeux. Tu maîtrises les yeux. Tu passes à la bouche, tu maîtrises la bouche, tu passes à la coiffure. C'est comme ça. Mais on est tellement pressé. Je vois beaucoup de gens. Mais moi-même, je suis passée par là. C'est ce que je faisais. Je veux me maquiller, je veux faire le teint. Je finis, je fais les yeux. Mais tellement que j'ai pas la main, en tout cas pour les yeux, je trouve moche. Et j'oublie même les efforts que j'ai eu à faire pour mon teint. J'oublie même que j'ai bien travaillé mon teint. Donc moi, ce que je fais, j'ai changé. Je me dis petit à petit. Faut échelle, c'est des échelles. C'est petit à petit. Moi, je pense que à l'étape où je suis, sans vous mentir, hein, c'est un défi. On va essayer de voir. Le teint, je maîtrise. Maîtriser, en tout cas, je fais bien mon teint. Moi, je fais bien le teint. J'ai plus de problèmes de ce côté-là. Tout ce qui est teint, anti-cerne, tout ça là, je sais. Mais le défi, là, c'est maintenant les yeux. Donc, je vous dis peut-être à la prochaine vidéo. Ça sera les yeux. Là, je dois me donner à fond pour les yeux. Après, quand je veux finir les yeux, la bouche, je la fais. Franchement, la bouche, j'ai pas trop de soucis. Je finis, mais dès que je finis les yeux, je veux passer aux cheveux. En tout cas, la coiffure. La coiffure, poser une perruque. Franchement, je me lance un défi. Ça sera ça. Mais pour l'instant, les amis, la prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être, en concernant la beauté, hein, tout à fait le maquillage, je vous parlerai des yeux. Franchement, je vais vous dire mon De vous évolution. partager et je vous dis à très bientôt pour la vidéo. En tout cas, ce qui concerne le maquillage, ça sera basé sur les yeux. On verra ensemble si je viendrai plutôt vous dire si les yeux, je suis à l'aise, si j'arrive à m'en sortir ou je peux au moins dire que les yeux. Ça va. C'est vrai que j'ai un peu la même, mais franchement, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que vous allez remarquer, j'ai souvent un maquillage naturel, généralement. Mais je vais essayer de faire des efforts pour essayer de voir ça, d'évoluer par rapport à à ce maquillage-là, par rapport aux yeux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. On est vendredi. Un bon week-end à vous. N'hésitez pas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour pas manquer une prochaine vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas de me faire des propositions sur des sujets. Si ça serait avec plaisir. Voilà. Ciao, ciao. À très bientôt.